Alors cet instrument est en vente, c'est, je présume, entre les années 77-79, c'est la marque Hondo. Donc le modèle est mal inscrit sur l'étiquette. A priori, c'est H150, puisque c'est un format orchestra modèle, donc c'est une, enfin, à caisse triple zéro. C'est une copie de Martin, hein, de ces années-là, d'entrée de gamme. Donc, j'ai changé le chevalet, donc, parce que l'ancien était endommagé et le système de fixation n'était pas le même, ce qui est étrange pour une guitare folk. Donc j'ai fait un chevalet Billy Bridge. Les six chevilles sont neuves et un scié de chevalet compensé en polycarbonate. Donc le manche, le profil du manche en léger V. Mécanique d'origine qui tiennent la corde, alors des traces d'usure sur la tête, une petite sur le manche ici, le bord de caisse, les bords de caisse de ce côté, un tout petit trou ici et des marques, des rayures sur le fond, voilà. Et ici des marques sur le bord de table aussi d'usure. La table n'est pas déformée. Et le manche est rectiligne et les frettes ne sont pas usées. Donc j'ai fait juste un polissage de frettes, le chevalet. Et donc c'est un instrument qui est prêt à jouer, qui a un peu plus de 40 ans. Je vous remercie. Je vous précise aussi que je fabrique des Mediators. Donc ça, c'est un modèle en corne. Donc vous pouvez trouver sur ma deuxième boutique en ligne qui s'appelle arbag.com parce que depuis 4 ans, en plus de la lutherie, je fabrique des bijoux en métaux précieux ou non. Et puis j'ai décidé depuis à peu près 3-4 mois de faire des accessoires pour guitaristes, c'est-à-dire Mediators et bottleneck. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Voilà, d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.